Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, je suis très à l'aise, je suis avec un monsieur qui fait parler de lui depuis des années, un monsieur qui est arrivé sur le quota du showbiz, quelqu'un qui nous a montré comment faire le travail à sa manière. C'est important, Fafa, il fallait que je vienne lui poser les vraies questions, parce que les gens disent qu'on est trop collés, on est trop amis, on est trop gens, camarades, donc ils ne vont pas bien l'attaquer. Et c'est là pour ça aujourd'hui. Je venais les questions. Où est le cahier bleu? Vous vous rappelez du cahier bleu de Fafa? C'est dans tous les trucs. Alors, président Abounidal, général Kokoumbre, Moutoua Bilamba, Wazabanga. Mes respects. Ramzi, ça va? Oui, ça va, Molo. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Abounidal. Et vous-même, vous avez fait le constat. On vous lance une plage musicale. C'est le moment! Et on revient. Mesdames et messieurs, après cette très belle plage musicale, c'est le moment d'Abounidal. Voilà, on va commencer l'émission. On a été bien reçu, on a bien mangé. Ça y est, il m'a mis dans les conditions pour que j'oublie les questions. Heureusement que je les ai écrites là, là. C'est le Fafa, il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir. Alors, président, c'est comment Abidjan? Ça va super bien. Abidjan, ça va. Belle ville, père de la ville. Tout se passe super bien. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour recevoir le Denré et l'équipe de Fafa. Pour moi, ça fait plaisir. Et merci beaucoup, en tout cas. C'est à l'image de l'artiste. Hein? Et c'est à l'image du Coupé des Valeurs. Ouais, c'est important. Alors, président, c'est qui Abounidal? Pour les personnes qui ne connaissent pas Abounidal, c'est qui Abounidal? En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Voilà pourquoi il faut toujours faire la promotion. La répétition est pédagogique, comme on dit. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui connaissent Abounidal. Alors, Abounidal est un jeune ivoirien. Mon nom à l'état civil, c'est Doumbia Aboubakar. Abou, qui est le diminutif de Aboubakar. Ouais. Donc, ça fait Abounidal de Genève parce que, contrairement à tous mes amis de la Jet Set, Moula, Lino, Serge, Duc Saga, Père à son âme, vivaient tous à Paris. Moi, c'était à Genève. Voilà. Donc, Abounidal de Genève. D'accord, mais pourquoi Nidal? Nidal, pourquoi? Nidal, ça vient de... Nidal, c'est ma grand-mère qui m'a donné ce petit surnom. Nidal, c'est quelqu'un qui ose. D'accord, ça, c'est en quel, dialecte? Ah, d'accord. Alors, tout à l'heure, tu parlais de tes gars de la Jet Set et tout. Bon. Alors, souvent, Abounidal dit qu'il fait partie de ceux-là même qui ont créé le coupé de Calais et tout. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Il paraît qu'Abounidal a juste été un sympathisant du mouvement, qui a aimé le mouvement, puis il est rentré dedans. Mais Abounidal n'est pas partie de ceux qui ont créé le coupé de Calais, n'est-ce pas? Déjà, j'aime pas trop le mot créer. Moi, je pense que c'est un faux problème. Parce que le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Je fais partie de cette première génération pour ceux qui connaissent l'histoire de ce mouvement. Tu as des membres fondateurs de ce mouvement coupé des Calais qui n'ont jamais chanté. Comme Chakoulé le Bachelor, tu as Bédel Patassé, Point le Rich Planteur, qui sont tous des adeptes de ce mouvement, comme Kyo Junior. Je fais partie de la première génération qui a commencé à chanter après ce qu'on a vu dans les premiers moments. Donc, je suis bel et bien membre créateur de ce mouvement parce que c'est moi qui ramène le coupé décalé en Suisse à Genève. Mais est-ce que si tu peux parler de ce qu'on crée, c'est de ça qu'il s'agit? Non, toi, tu es venu, tu as vu le mouvement à Paris, ça t'a plu, c'est un gars en plus, il le connaît il y a longtemps. Donc, vous êtes dedans, après toi, tu pars avec ça à Genève. Donc, toi, tu fais partie de la famille, mais est-ce que tu étais là quand ils ont créé? C'est de ça qu'on parle. J'étais là. D'abord, le coupé décalé, c'est une philosophie. Le coupé décalé, c'est comment dirais-je, un état d'esprit. Le coupé décalé, il n'y avait pas de musique au début. C'était des jeunes gens qui se sont retrouvés en Europe, qui ne voulaient rien faire comme les vieux pères qu'ils ont trouvé en Europe, qui étaient dans l'individualisme.
où c'est un jeune, c'est les jeunes qui se promenaient ensemble. Donc mon meilleur ami de la défaite par exemple, c'est Sous le Béton, avec qui j'ai vécu en Allemagne. Donc ouais. Donc avant même que le mouvement de danse et de musique ne naisse, on est des bandes d'amis en fait. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont pris, qui ont commencé, qui ont mis les premières bases musicalement parlant. D'accord. Et après, nous, on a suivi. Mais je fais partie de cette première vague d'acteurs de ce mouvement. Donc, les gars disent, je fais partie de la DFS. Sinon, nous, on avait notre groupe aussi en Suisse, les Siciliens de Genève. Je veux parler des présidents Omar Cavalli, de Gaucher, le banquier suisse, de Jojo Gabbana, de Jean-Jacques Degoro qui jouait au foot, en même temps qui aimait aussi le mouvement. Donc, aujourd'hui, la question n'est pas de qui a créé ou qui n'a pas créé. La question est aujourd'hui, qui essaye d'amener ce mouvement-là au paroxysme? Qui essaie de faire continuer la légende? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, d'accord. Voilà. Mais toujours est-il que quelque chose est créé d'abord avant qu'on cherche à faire développer. C'est de ça qu'il s'agit. Abonné d'abord. C'est comme ça. C'est ce qu'on dit chaque fois. Il y en a qui écrivent l'histoire et il y en a qui la racontent. Donc, toi, parmi, tu es dans quel groupe? Ceux qui racontent, mais ceux qui. Je fais partie de ceux qui ont écrit. Mais qui continuent de la raconter voilà. Aussi. J'ai écrit et je la raconte. Voilà, c'est ça. C'est super. Mm-hmm. Alors, Abou Nidal, de toute façon, bon, nous on sait que tu n'es pas né en Europe. Voilà, tu étais ici d'abord, dans tes brouillements et tout, tu t'es retrouvé en Europe. Voilà, c'était quoi ta vie en Europe avant même de rentrer dans ce mouvement et autres? C'était comment? Raconte-nous un peu ta vie en Europe. Déjà, en tant que jeune Ivoirien, gouilleur, doula entre guillemets, qui vient des commerçants. Donc, j'ai fait pas mal de petits boulots. Ici, je faisais de la mécanique. Quand j'ai arrêté les études, je travaillais avec mon oncle ici en zone 4. Donc, après, je suis d'une famille très nombreuse. Je me suis dit, bon, c'est vrai, l'Afrique nourrit son homme, c'est vrai, mais j'ai voulu toujours essayer l'aventure. J'ai voulu aller aux États-Unis. Et Dieu a fait que les États-Unis n'ont pas marché. Je suis allé d'abord en Europe, précisément en Allemagne. Et de l'Allemagne, après, je me suis retrouvé aux États-Unis où j'étais coiffeur. Et après, début 2000-2001, je suis redescendu sur Paris pour aller m'installer à Genève. Et 2001-2002, c'est là que le mouvement Coupé des Galets vraiment s'est installé. Donc c'est comme ça que je vais m'installer en Suisse en tant que promoteur. Donc voilà pourquoi. Effectivement, les gens disent que bon, peut-être que je ne suis pas membre créateur parce que au début, je faisais plus la promotion du mouvement. D'accord. Parce que moi, j'ai eu à causer avec mon ami et frère que je salue au passage, Moulukoukou, qui m'avait parlé de toi. Il m'a dit, ah, Ramzi, voilà, moi je suis quitté en Suisse, il y a un gars là, il m'a fait tel cadeau, il s'appelle Abou Nidal, il est trop gentil. En tout cas, lui, il n'est pas dans donner de l'argent, mais lui, il te donne les choses qui restent avec toi pour longtemps. Moulukoukou m'avait déjà parlé de toi, puis on s'est rencontrés, je crois, au Roland Garros il y a très longtemps et tout ça. En tout cas, c'est cool. En tout cas, on a les échos que tu as vraiment fait la promo. Mais tu as vraiment fait la promo du mouvement. À quel moment tu décides de chanter? Voilà. À la base, en 2006, lorsque je me retrouve en Côte d'Ivoire, je viens avec une marque de vêtements, le temps des cerises, parce que le coupé des carrés, c'était aussi ça. Être bien habillé, être bien chaussé, c'était aussi ça le coupé des carrés. Donc moi, j'étais, quand je suis rentré, je suis venu avec une marque de vêtements, où j'ai commencé donc à faire la promotion. Qui appartenait à qui? Ça appartenait à des amis ou... Ça appartenait en tout cas à un ami en Suisse. Donc j'ai eu l'exclusivité de cette marque. Ah mais nous, c'est pas ce qu'on nous a dit. Attends, j'ai bien mon soir, mesdames et messieurs. Nous, on a appris que le temps des séries, Abou Nidal, il n'était pas représentant de qui que ce soit. Abou Nidal a fait le brouve. Il a volé ça sur Internet. Et puis il est venu vendre ça ici en Côte d'Ivoire. Il s'est fait de l'argent. Déjà à cette époque, l'Internet, pour moi, l'Internet n'existait pas. Donc, vous savez, le coupé décalé, c'est un mouvement qui a fait gazer et qui continue de faire gazer. Le coupé décalé, il y a un esprit dedans. Donc, le nom Abou Nidal avait tellement commencé à taper, à faire du bruit, sans mettre même le visage sur le nom. Chacun a commencé à dire ce qu'il voulait. Donc, moi, de toutes les façons, à partir du moment où vous décidez d'être un homme public, il n'y a pas de mauvaise publicité. Vous comprenez? Donc, Abou Nidal est venu de la Suisse, a créé sa petite entreprise, a donné du boulot à des jeunes Ivoiriens avant de se lancer dans le coupé décalé en tant que chanteur. Et d'ailleurs, c'est mon vieux père qui me force avec Romy Roméo,
qui est animateur, mmh. j'étais animateur à l'époque à RTI. C'est eux qui m'ont obligé à rentrer en studio. Parce que mes parents n'ont jamais voulu que. Je parle que c'était Roda Théo, ton. Roda Théo, qui est mon vieux père et tout. Donc c'est lui qui a financé l'album. Et en tout cas, c'est Romeo qui a dit, mais toi, tu es là, tes amis, on y va ensemble, tu danses bien, mais attends, viens aussi, fais quelque chose. Il dit non. Les parents, tu sais, chez nous, là, la musique, c'est pas quelque chose de non. Alors, ma vieille m'a dit non, fais tes petits boulots, fais tes petits trucs, mais la musique là, laisse. J'ai dit, ah maman, je vais essayer. Donc, j'ai fait aujourd'hui, en tout cas, Dieu merci, les parents sont fiers. Et la légende continue. Voilà. D'accord. Alors Abou Nidal, en tout cas moi j'ai fait partie des personnes qui étaient là quand tu es arrivé pour la promo, pour tout ce qu'on sait. Hein. En tout cas, je sais que tu viens de très très loin, tu as commencé il y a très longtemps, au début c'était pas facile. C'était pas facile, n'est-ce pas? La vie même n'est pas facile. Je vais te donner un conseil. En tout cas, dis que c'est le philosophe Abou Nidal qui t'a dit ça. Le monde est un enfer. Le monde est un enfer. Où l'être humain doit créer son paradis. Le monde que nous vivons est un enfer. Mais tu dois pouvoir créer ton paradis. Donc la vie n'est pas facile. À partir du moment où vous avez fait 9 mois dans le ventre de votre maman et qu'on vous a donné la chance de naître, il faut vous dire merci. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu cette chance. Donc la vie, c'est la chaîne. Il faut se battre pour réussir. D'accord. Donc, il faut se battre pour réussir. D'accord, Abou Nidal. Mais tu étais en Europe, tu soutenais les artistes quand ils venaient, Abou Nidal faisait des cadeaux, Abou Nidal, tu étais très 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 fort quand tu étais en Europe. Très très fort, parce qu'on entendait parler de toi ici. Abou Nidal gagnait son argent où? Moi je ne comprends pas. Parce que quand tu me dis que tu faisais des petits boulots et tout ça, tu ne peux pas faire des petits boulots en Europe et puis venir offrir des chaînes, des grosses chaînes en or, des habits qui coûtent extrêmement cher. Voilà, Abou Nidal, c'était quoi? Comment tu peux expliquer? Déjà il faut dire que étant jeune Ivoirien qui est parti se chercher en Europe, qui était sans papier, quand on voyait nos artistes ivoiriens, je veux parler même des artistes du monde, je veux parler de Yodé Sio, Abutourou, Soumbil, on était fiers de voir la Côte d'Ivoire à travers ces gens-là. Donc, on était sans papier, on ne peut pas venir en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, quand tu voyais ces artistes-là, c'est des artistes qui te donnaient la chaleur de la Côte d'Ivoire. Donc, en retour, tu leur faisais des cadeaux parce que la musique aussi, on aimait la musique ivoirienne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est artiste. Maintenant, pour revenir à la question proprement dit, mais comme tout le monde, je suis allé en Europe. J'ai été plongeur, moi. J'ai été plongeur, j'ai travaillé dans les restaurants. Et je faisais des quêtes de passeport. Ça, je l'ai toujours dit. À côté de mon boulot en tant que plongeur, je faisais aussi des faux documents pour faire couper les gens à Londres, aux États-Unis, au Canada. Parce qu'il faut savoir que. Non, Bounida a été un fossé à l'époque. Oui, il faut le dire. Moi, je ne suis pas allé en Europe pour aller regarder la Tour Eiffel, mais pour aller regarder le mur de Berlin. Je suis issu d'une famille de plus de 35 enfants, 38 enfants, je vais dire. Ma mère en a fait 15. Pour qu'on puisse me regarder même dans ma famille, il fallait que je me batte. Donc, quand je sors. Donc, je me suis battu dans ma famille. Quand je sors, c'est cette même rage-là. Voilà, c'est une bonne chose de pratiquer les documents. On était encore plus jeunes, on a fait des choses pas catholiques, mais je pense que, comme tout jeune, il y a eu un moment où ils ont fait des choses qui ne sont pas bien. Mais on grandit. Voilà pourquoi j'ai dit nos pensées reflètent notre personnalité, alors pensons grand. Aujourd'hui, qui est à vous? C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc en fait, c'est pour tout ça que quand tu étais à Abidjan, voilà, tu étais persona non grata. C'est-à-dire que tu étais interdit du territoire de la Suisse. En fait, les gens font l'amalgame. Je n'ai jamais été interdit. Je me suis marié à une Suissesse. Après, ça n'a pas marché. Nous avons divorcé. Et comme j'avais la carte de séjour, le titre de séjour par rapport à cette dame qui n'a jamais voulu renouveler mes documents, donc j'étais ici à cause de ça. Mais après, quand j'ai voulu aller, j'ai fait mon billet, je suis parti. Voilà, les gens. Non, nous, on nous a dit qu'il y a des gens qui attendent Abou Nidal là-bas, si bien, ils vont le frapper, ils vont le boxer parce que, il a, comme on dit dans notre jargon, mais dans le tété, ça dit tété là, c'est doublé, c'est la marmaille. Abou Nidal, on dit c'est un marmailleur. Il a marmaillé les gens en Suisse, les gens voulaient le tuer, tout ça. C'est chaud, il veut pas partir. Et au niveau même maintenant de l'administration, même, ils ont découvert que c'était un gros faussaire.
qui a fait des passeports, qui a fait des faux documents, une pile. Quelqu'un faut dire la vérité. Hein? Donc depuis quand je suis arrivé en 2006, je me suis mis au boulot, sorti mon album. En tout cas, Dieu merci, cet album-là m'a permis quand même d'être compté parmi. Mais pourquoi là? Pourquoi la chose qui parle? Pourquoi ce concept-là fait remuer le pays? Comment est-ce que tu as eu cette inspiration, la chose qui parle? Déjà, une chaussure n'est pas de temps. Comme je t'ai dit, Abou Nidal, c'est un philosophe. Voilà. Donc, Abou Nidal, j'ai dit tout à l'heure que je suis issu d'une famille très nombreuse de pères polygames. Donc, pendant que d'autres enfants, leurs parents leur donnaient l'argent de récréation, l'argent pour manger à la récréation, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir de l'argent pour manger à la récréation. Donc, je partais cirer les chaussures. Donc, j'ai commencé à rouler depuis 7 ans, 8 ans, je cirais déjà les chaussures pour pouvoir manger à la récréation à l'école. Donc, quand je dis la chaussure parle, c'est la chaussure qui m'a donné mon premier salaire. Donc, c'est un message codé. Mm-hmm. Voilà, donc j'ai grandi avec les chaussures. J'ai toujours aimé les chaussures. Quand je cite la chaussure d'un grand familier, c'est quelle chaussure ça? Il va me dire non, c'est Weston, il va me dire non, c'est John Locke, il va me dire non, c'est Berluti, whatever. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi avec la chaussure. Donc, et j'avais une manière particulière de danser. Tu comprends? La danse, c'est les claquettes. Donc, et comme j'étais dans le style aussi vestimentaire avec les talons serrés, quelqu'un qui est bien habillé doit être bien chaussé. Donc, c'est tout un tas de choses mélangées qui sont la chaussure qui parle, la pointillée. Ouais. Voilà. En tout cas, Abou Nidal, je me rappelle lors d'une interview, a dit mais que moi, je ne suis pas Céline Dion. Moi, Abou Nidal, je ne sais pas chanter, mais je suis un concepteur. Alors, Abou Nidal, d'où te viennent toutes ces inspirations de créer des concepts et tout ça? C'est quitter où? Parce qu'Abou Nidal, son spectacle n'a rien à voir avec le spectacle des autres. Ce n'est pas pour vous dénigrer, hein, mais chacun a sa façon de travailler. Donc, Abou Nidal, sa façon de travailler est très différente. D'où te sort toute cette inspiration? D'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu. Et puis, il faut dire qu'il faut s'inspirer des gens qui ont marqué le monde. Moi, je m'inspire beaucoup de Michael Jackson. Je regarde ses vidéos. Parce que Michael Jackson a battu, en tout cas, tous les records. Quand tu regardes le clip Thriller, c'est le clip qui a été le clip le plus vendu, en tout cas, dans le milieu musical, dans l'industrie musicale. Donc, je m'inspire beaucoup de Michael Jackson. Maintenant, pour revenir au concept, nous sommes dans un environnement, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le pays même, c'est une boîte à concept. Vous allez simplement à Lyon, vous allez à Bobo ou à Macoy, il y a tous les concepts naissent tous les jours. Donc, on s'inspire aussi de l'environnement, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous et venir mettre ça maintenant, s'inspirer maintenant de ce grand artiste que je viens de citer. Mais vous ne pouvez que être parmi les meilleurs quand vous vous inspirez de Michael Jackson. Parce que Michael Jackson, il était bon chanteur, bon chorégraphe, bon metteur en scène. C'était un artiste complet. Donc, mon idole, c'est Michael Jackson. Donc, ça partit de lui que tu décides maintenant de voir comment faire tes spectacles, comment concevoir ta mise en scène et tout ça. En tout cas, félicitations à Abou Nidal, félicitations. Et Abou Nidal, il y a ce qu'on appelle le volet international. Abou Nidal à l'international est très, très aimé. Quand je dis, je parle même pas même de l'Europe, je parle même en Afrique, à l'international, dans les pays comme le Bénin, le Cameroun. Voilà. Quand Abou Nidal a commencé à comment on peut dire, mousser, comme on dit chez nous, quand Abou Nidal a commencé à avoir le succès et tout, arrivé dans ces pays étrangers-là, quel a été l'accueil des personnes d'abord pour commencer? Les personnes qui découvraient à peine Abou Nidal. Déjà, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai commencé ma première tournée internationale sans même une vidéo. Donc, quand j'ai sorti le concept de la chaussure qui parle, c'était mes prestations dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les maquis, que les promoteurs ont pris pour faire des montages et puis j'ai commencé à faire la promotion dans leur pays. Donc, le premier pays qui m'a accueilli en tant qu'artiste, c'est le Togo. C'est le Togo où j'ai joué dans une salle de plus de 8000 personnes. Comprenez, avec seulement un seul single. Donc pour vous dire que on n'est jamais prophète chez soi, mais c'est bon aussi, ça te permet par exemple de tout le temps se remettre en question. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me taper la poitrine, mais ça fait quand même plaisir qu'aujourd'hui, dans le coupé décalé, il y a pas mal de responsables qui nous sollicitent pour des spectacles,
en tout cas des spectacles à thème. Parce que je suis invité dans tout ce qui est spectacle à thème. Le grand public n'est pas forcément mon truc, tu vois. Parce que j'essaie aujourd'hui de donner une directive à ma musique, à mon concept. Je sais que ceux qui me suivent, c'est les gens qui sont plus dans les bureaux, entre guillemets les intellos. Donc il faut adapter ma musique à ces personnes-là. Donc quand je vais dans ces pays-là, le Bénin par exemple, j'ai été sollicité pour une chanson de campagne. Bien sûr, voilà. on va en parler tout à l'heure. Pour vous dire qui suis-je pour que alors ces personnes, ces décideurs m'appellent pour les chansons de campagne. Ça voudrait aussi dire qu'on est quelque part la conscience du coupé des galets. Voilà. Il y a des artistes, on les appelle aussi pour venir chanter lors des campagnes. Mais vous appelez quand même, vous donnez le marché de la chanson de campagne d'un chef d'État. Vous ne pouvez que être heureux. Et à côté de ça, je vais en tout cas m'attarder sur ce côté-là. Je ne suis pas un artiste qui fait de la politique. Je suis un artiste apolitique, mais je suis un prestataire de service. Autant je sois une chanson pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont lancés dans une compétition internationale, en tant que patriote, en tant qu'Ivoirien, en tant que quelqu'un qui côtoie ces jeunes gens, d'accord, il faut sortir des choses pour les encourager. C'est comme ça, quand un enfant, on m'appelle pour faire la chanson d'un anniversaire d'un enfant. Où tu veux en venir? Où tu veux en venir? Ça pour nous dire que tu vas faire une chanson pour un politicien bientôt. C'est ce que tu veux nous dire. Et que si un politicien t'appelle pour dire à Bounidal, je veux que tu me fasses une chanson de campagne, tu vas le faire. Mais là, les autres que tu connais ne vont pas se fâcher. C'est ce que tu veux dire. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait au Bénin deux fois. Et en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait, comment dirais-je, au Togo. Et en Côte d'Ivoire, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais je suis ouvert. Celui qui donc, m'appelle. Ça veut dire que 2020 n'est pas loin, donc tu lances l'appel. Mais non, je l'ai déjà fait en Côte d'Ivoire. J'ai fait la campagne de. On m'a appelé ici pour faire les comment on appelle ça, les spectacles de campagne. Donc celui qui estime que Abou Nidal peut faire sa chanson de campagne, mais voilà, il rentre à. Comment dirais-je. Ils appellent ma cellule de communication de management. Voilà. Et puis on essaie de gérer. Nous sommes des prestataires de services. Voilà. Donc toi, tu n'as aucun problème. Je n'ai aucun problème à faire la chanson d'un tel ou d'un tel. Je n'ai aucun problème. Celui qui m'appelle, je chicote des gars en avance. Voilà. C'est de ça. T'es que ça va pas te créer des problèmes dans ce pays, des ennemis. Je vais te dire une chose. Il faut faire la part des choses. Le monde évolue. Quand vous regardez les États-Unis, Barack Obama a eu, l'appui de Jay-Z, de Beyoncé, en tout cas des acteurs. Ils ont le mot à dire dans la société. Au fait, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, malheureusement, ce qui fait qu'il y a des problèmes dans nos pays en Afrique, c'est que tout le monde est pro quelqu'un, mais personne n'est pro Côte d'Ivoire. Personne n'est bien ce message, c'est très aujourd'hui on te dit pro Jean-Paul, pro Kwaku, pro Mustapha, mais la pro Côte d'Ivoire c'est qui? Moi je suis pro Côte d'Ivoire. Maintenant, mon boulot que je fais aujourd'hui, c'est un boulot qui me permet par exemple de rencontrer du monde, des jeunes, des décideurs, des chefs d'entreprise. Ça voudrait dire que j'ai ma place dans cette société. Quand je vais chanter au Bénin, l'argent que je gagne au Bénin ou au Mali, je viens investir en Côte d'Ivoire. Si on est dans un environnement malsain, mon investissement ne peut pas prospérer. D'accord. Donc, on parle de programme de gouvernance, on parle de programme de société. Celui qui a un bon programme de société, quand il me contacte, je regarde. Son programme là, c'est bon. Il parle de la jeunesse. Il veut faire quelque chose pour la jeunesse. Non, normalement, tu dois faire son cadeau. Tu ne dois pas prendre l'argent. Oui, il prendra l'argent. Mais je vis de ça. Mais si tu dis que c'est toi, tu regardes le programme. Donc, quand je regarde le programme, je regarde le programme d'abord. Maintenant, en fonction du programme, j'ai fait aussi le cachet. Parce que je sais que ce programme, ça m'arrange. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il est temps pour le monsieur. Alors, bon, docteur, là, tu disais que toi, tu es plus. C'est-à-dire que tu es plus dans le milieu des gens qui sont dans les bureaux et tout. Est-ce que c'est pas du fait que Abou Nidal n'est pas si joué que ça en club? Parce que on a l'impression que dans les maquis, dans les boîtes de nuit, Abou Nidal n'est pas matraqué comme certains sont matraqués. Déjà, bon, moi, mon cas, c'est différent. Moi, Abou Nidal, je joue à Abou Nidal. Même quand je dors, je me réveille, je joue à Abou Nidal. Mais bon, c'est pas de moi qu'il s'agit. Déjà, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas une histoire d'être joué par un DJ ou pas. C'est une histoire de comment tu rentabilises ta production. Tu as des artistes qui, par exemple, vont au Palais de la Culture. Ils font 4000 places. On voit que le palais est rempli à bloc. Mais ils sortent avec des crédits. Je sais de quoi je parle.
et tu sais de quoi je parle. Tu as des artistes qui vont jouer dans des salons où il y a 4 personnes. Ils prennent cachet et c'est ceux-là qui sont les joueurs au palais de la culture. Donc c'est une question de vision, c'est une question de se projeter. Moi, en tout cas dans ma connaissance, la musique en tant que telle, ça a déjà fait des milliardaires. Mais la musique elle-même ne rend pas forcément l'artiste milliardaire. C'est tout ce que tu crées autour de toi. Les produits dérivés que tu vas créer après par rapport à ta notoriété. C'est ça qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Je vois. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas le mec qui veut forcément qu'on joue dans tous les magasins, dans tous les bars. Il y a tellement d'artistes. Mais les parties où je suis joué me permettent déjà de rentabiliser ma production. Maintenant, les DJ, je fais partie des DJ qui ont été au début de ce mouvement. Parce qu'avant que le coupé décalé naisse, les DJ existaient déjà. Si on veut bien voir, le coupé décalé, il n'y avait pas de musique. Il y avait un style, il y avait un comportement. Maintenant, quand le mouvement est venu, les DJ étaient déjà là. Ils ont adopté le concept. Et les DJ ont fait la promotion de ce mouvement. Oui. Malheureusement, tu es d'accord avec moi que les DJ eux-mêmes sont devenus aussi des artistes et par ricochet, ont oublié aussi qu'ils sont déjà DJ de formation. Maintenant, au lieu de jouer, les camarades artistes, ils se bloquent. Ils disent, ah, le gars là, c'est moi, j'ai fait sa promotion. Maintenant, il mousse. Il fait ses voyages, il vient, il ne me dit même pas bonjour. Donc il se prend. Il préfère aller jouer du Davido, du whisky. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il fait son anniversaire, il n'appelle pas Davido pour dire fais-moi une vidéo pour me souhaiter joyeux anniversaire. Il va appeler un artiste local. Donc moi je veux que on dépasse. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse se mettre au-dessus de ça. C'est dans l'union qu'on est fort. Ce n'est pas un problème d'Abunida, parce que ce qui est bien d'Abunida. Non, parce que certains disent qu'Abunidal. Oui, c'est un vieux père, il est cool, il est gentil, tout ça. Bon, pas gentil en tant que tel, mais en tout cas, c'est un gars cool, sympathique, mais il ne donne pas l'argent. Sa mère est dure. Les DJ là disent que Abunidal, il vient dans ton bar, il ne sort pas l'argent pour dire, bon, mon DJ, vraiment, tu m'as donné les points, tiens un peu. On dit Abunidal, sa mère est trop dure. C'est pourquoi les gens ne veulent pas jouer Abunidal. Mais déjà, un DJ, je pense que tu un métier, on le fait d'abord par amour, bien sûr. Par passion. Si tu le fais. Mais si les autres nous ont habitués à l'argent. Mais ils continuent de jouer les autres. Pourquoi Abunidal ne donne pas les gays au DJ? C'est ça que tu as dit. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est pertinent. Tu as dit, quand j'étais à Genève, les artistes venaient, on les encourageait, on était avec eux. On est resté pareil, avec tout le monde. Mais vous comprenez, le monde va aujourd'hui avec la paresse, avec la facilité. Vous comprenez? Donc, il faut mériter son salaire. Donc le DJ qui te joue, il ne mérite pas que tu lui donnes quelque chose. Pourquoi pas? Je donne, mais peut-être qu'il veut que je lui donne 10 millions et 20 millions. Si c'est à cause de ça, je ne vais pas jouer ma chanson. C'est lui qui voit. Mais je pense qu'un artiste d'ailleurs qui passe sur les chaînes, en tout cas entre guillemets internationales, c'est un DJ dans une boîte de nuit où il y a 200 personnes. Tu ne joues pas ma musique, tu penses que tu es en train de me fermer, mais tu te fermes. Tu n'es pas en train de me fermer, tu es en train de fermer un mouvement. Tu n'es pas en train de fermer Abunidal, tu es en train de fermer un mouvement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de personnes. Vous voyez, quand nous sommes arrivés, Doug Saga, le président, mais quand il parle, il dit, je suis le président. Mais il y a le Moula 5 coins du monde, il y a Lino Versace, il y a Boros Sandy. Donc c'est lui déjà qui faisait la promotion de ses amis. Et quand ses amis-là venaient, lui, il montait d'un camp. C'est ça un leader. Un leader, c'est celui qui partage. Un leader, c'est celui qui tue les autres. On va s'arrêter là. Mesdames et messieurs, plage musicale. On est toujours avec Abunidal. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. On est toujours à l'émission Fafa. C'est une émission qui est très, très, très spéciale. Parce que c'est un monsieur qui ne fait pas beaucoup d'interviews. Donc, quand tu l'attrapes, il faut savoir l'attraper pour lui poser les vraies questions afin qu'il ne puisse pas fuir. Parce qu'il ne peut pas fuir. C'est le Fafa, c'est comme ça. Alors, Abunidal, tout à l'heure, tu parlais de Doug Saga, du coupé décalé et tout. Aujourd'hui, avec la tournure que le coupé décalé est en train de prendre, voilà, tu me connais, tu sais que moi, je dis les choses comme elles sont. On entend DJ Arafat qui fait des clashs avec Safarel, on entend Safarel qui fait des clashs avec celui-là, on entend Serge Benoît qui fait des clashs avec tant. Il y a des palabres, on dit, il y a des armes qui sortent dedans, des gens qui n'ont même pas des permis de port d'armes, qui sortent des armes, on ne comprend plus rien.
Toi, Abou Nidal, en tant qu'un vétéran du mouvement, c'est ça qui est la vérité. Tu es un vétéran du mouvement, c'est vous qui avez fait en sorte que les gens aiment le coupé décalé. Parce que le coupé décalé, c'est bien s'habiller, c'est sentir bon, c'est tout un concept. Mais aujourd'hui, voilà, y a un côté du coupé décalé qui valorise plus les palabres, les mauvaises mœurs. Tu vois, moi je dis rien, quoi. Voilà, mais toi, Abou Nidal, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est en train de se passer? Déjà, j'ai parlé tout à l'heure de nouvelles technologies, de générations et tout. Tout mouvement évolue. Ça évolue avec son côté positif et son côté négatif. Je prends par exemple le cas du Zouglou. Je fais partie de la génération Zouglou. Au début, quand le Zouglou est venu, les gens n'ont pas adhéré aussi à ce concept-là directement. Oui, oui, oui. Voilà, ils ont été rejetés d'abord. Aujourd'hui, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Le coupé décalé, 15 ans après, quand je fais le bilan pour moi, il est positif. Mais n'oublions pas qu'il y a encore des tas. Et pour revenir proprement à ta question, c'est vrai que les clashs, pour moi, les clashs font évoluer le mouvement. Je l'explique. Autant, par exemple, de Ernesto Djédié avec le vieux Dopé, Amédée Pierre, il y a eu des clashs. Il y a eu des clashs, Louga François, Baïs Kito. Mm-hmm. Il y a eu des clashs, Aïcha Kone et comment dirais-je, Reine Pélagie. Donc, à partir du moment où le clash est musical, moi, je n'ai pas de problème. C'est-à-dire, Mola sort une chanson accompagnée d'une vidéo qui est, en tout cas, qui est dans les nombres, qui mousse. Mais ça doit mettre, par exemple, une pression à Abou Nidal ou à Lino pour se surpasser. Ça ne doit pas être une pression pour dire, moi je viens pour fermer Mola. Parce que si tu fermes Mola, toi seul, tu ne peux pas combattre les autres qui viennent d'ailleurs. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est l'union qui fait la force. Sur les clashs, à partir du moment où c'est musical, pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour revenir avec des problèmes. Voilà, quand ça rentre dans des injures, dans des problèmes d'âme, de tout ça. On a vu aux États-Unis comment ça s'est passé entre Tupac et Biggie. Ils sont partis. Ils sont devenus les sacrifices du rap. Comprends? Moi, je ne veux pas qu'il y ait des sacrifices dans le coupé décalé. Parce qu'on a fait beaucoup de sacrifices. Parce qu'au début, on a été rejetés. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a été traités de tous les noms, des petits bandits de Paris. Oui, nous tous, on a tous unanimement été traités des petits vagabonds de Paris. Mais 15 ans après, quand je vois mon ami Mola, qui est chef d'entreprise, qui crée aujourd'hui des scènes, et puis, la nouvelle génération, très inspirée, vient de s'exprimer. Il faut applaudir le Mola, qui est co-créateur de ce mouvement, qui est aujourd'hui encore créé des scènes pour que nous autres, on vienne s'exprimer. Et en plus, il donne du boulot aussi à des jeunes Ivoiriens et tout. C'est ce symbole-là que moi, je veux que les gens retiennent. C'est ce symbole-là qu'il faut promouvoir. Et les médias aussi en font partie. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui est négatif qui vend. Vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui est négatif, ce qui est dégueulasse, qu'on met sur les réseaux sociaux, et puis tout le monde, et puis ça crée des challenges. Vous comprenez? D'accord. Mais pour moi, pour en tout cas tous ceux qui me regardent, je m'adresse à vous, surtout la nouvelle génération, parce que nous sommes à la troisième génération du coupé décalé. Vous êtes très, 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 très talentueux. Nous, on est conscients que vous êtes talentueux, vous avez mis ce mouvement à un niveau. Mais le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Parce que Messi, il est talentueux jusqu'en talent là même, ça le poursuit. Mais Cristiano Ronaldo, il est travailleur. Il est organisé. Voilà pourquoi il bat tous les records. Donc, à côté de vos talents, essayez de vous organiser. Parce que nous, on compte sur vous. Quand, par exemple, je dis, par exemple, le coupé décalé a deux Koras. Mais les Koras, qui les vous a ramenés? C'est Didier Arafat. Mais le Kora qui l'a amené, c'est pour le coupé décalé, c'est pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Quand il ramène aussi, des prix comme MTV Award. MTV Award, Beno et tout ça, mais nous on est fiers. Nous on ne peut qu'être fiers. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est fier comme toi? Parce que toi, Abou Nidal, tu peux être content. Et puis les gars de ta génération peuvent être fâchés, parce que c'est ça. Mais parce qu'on dit, non, dans le milieu, les vieux là, ils sont trop gris et tout ça. Même qu'Abou Nidal, lui, il aime ça, lui, il est content. Et peut-être que Borossin qui est dans son coin là-bas, il est fâché. C'est mon gars, il y a foi, mais c'est une manière de parler, quoi. C'est pas dégueu, c'est forcément tu es comme ça, un bro. C'est ça ce qui est bien dans ça. C'est que,
en même temps, on est ensemble, mais on n'est pas mélangé. Chacun a son éducation. Il y a un animateur qui me disait la dernière fois, lors d'une interview, il me disait, mais Abou Mdane, on ne te voit plus. J'ai dit, mais on ne me voit plus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, mais on ne te sent pas, on ne te voit pas. J'ai dit, oui, on ne me voit pas, on ne me sent pas. C'est fait exprès, parce que pour toi, tu veux me voir, moi, je ne suis pas là-bas. Mon éducation ne me permet pas d'être là-bas. J'ai fait du bruit d'abord pour me faire connaître. Ça, ce moment, il est révolu. Aujourd'hui, ma musique fait beaucoup de bruit. Donc moi, je n'ai plus besoin de faire du bruit. Mes sacs vont parler à ma place. Donc, il faut passer maintenant à une autre étape. Il faut proposer quelque chose de constructif, de potable. Et encore une fois, je m'adresse à nos petits frères. Ils sont très talentueux, ils sont en vogue, ils sont très sollicités. Ils arrivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils sont suivis par des millions de jeunes. Je pense qu'il faut positiver ça, il faut rendre ça plus positif. Passer des messages aujourd'hui qui construisent. Parce que vous voyez aujourd'hui, même quand on dit ça ne va pas dans un pays, la jeunesse fait, par exemple, la jeunesse est 70%. Fait par 70% de la population. Mm-hmm. Donc si tu es écouté par cette jeunesse-là, ce que tu dis là, les gens te suivent. Oui, ça a un impact. Ça a un impact. Donc, moi, je préfère aujourd'hui que le coupé décalé puisse impacter positivement. D'accord. Voilà. Ok, mais Abou Mdane, c'est vrai que toi, tu as toujours été quelqu'un d'élégant, de toujours bien habillé. Mais moi, j'ai été étonné de te voir à des moments faire des roucascas. Hein? Moi, j'ai été étonné de voir Abou Mdane faire des roucascas. Normalement, Abou Mdane devait être de ceux qui combattent les roucascas. Parce que les roucascas, voilà, on sait un peu les dégâts que ça a créés. On sait un peu les familles que ça a endeuillées. Mais Abou Mdane en a fait. Abou Mdane a fait les roucascas. Alors, bon, aujourd'hui, on ne te voit plus faire les roucascas. Pourquoi tu as changé d'habitude? Je dis qu'il ne faut pas combattre. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple sur les Américains. Quand vous voyez aujourd'hui Snoop, il fait des collaborations avec, par exemple, Lil Wayne, c'est pas le même genre de rap. Mais il est conscient que pour être renouvelé, pour être encore sur scène, il est obligé de s'adapter à la tendance. Donc, les roucascas, c'est pas mauvais, parce que c'est dans ça qu'ils font ces roucascas. Ils sont entraînés. Mais maintenant, ceux qui veulent copier, ils ne doivent pas copier comme les danseurs. Donc, moi, j'ai dit, dans toute chose, comme j'ai dit, il y a le bon et il y a le mauvais. Mais les gens veulent souvent copier le mauvais. Donc, il y a eu les un moment... Les gens même en font la promotion. Merci beaucoup. Il y a eu un moment où, effectivement, cette manière de faire le coupé-décalé aussi a eu son impact. Et c'est ce qui fait qu'Abou Mdane est encore là. Parce que... Abou Mdane créait les roucascas. Jetait les vestes pour danser les roucascas. Nous, on s'adapte à tout. Et c'est la formation. Parce que l'école de la vie, c'est la meilleure école. Tu me mets dans un champ de cacao, je vais cultiver le cacao. Tu me mets dans un champ de maïs, je vais tuer. Donc, je m'adapte à tout. Voilà. Mais quand même, il faut reconnaître que ceux qui ne sont pas entraînés, ceux qui ne sont pas vraiment prêts à danser, comme ces artistes qui font ça, ne faites pas ça chez vous. Voilà qui est bien dit. Voilà. La pub. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. On est toujours avec Abou Mdane après la pub. Voilà. Alors, président Abou Mdane, j'ai reçu des appels de tes fans du Bénin. Tes fans du Bénin qui disent, mais Abou Mdane ne vient plus nous voir. Abou Mdane ne vient plus au Bénin parce que son papa n'est plus au pouvoir. Donc, il ne vient plus au Bénin. Parce que son papa n'est plus au pouvoir. Les gens qui le recevaient à l'aise ne sont plus au pouvoir. Donc, nous-mêmes, les fans, Abou Mdane nous a oubliés. Qu'est-ce que toi tu dis de ça, Abou Mdane? Parce que apparemment il y a longtemps que tu es arrivé au Bénin. Le Bénin que je salue tous mes amis au Bénin. Je salue Cardio, je salue DJ Mano, je salue Monsieur Uri Chadjovi, qui est mon patron, qui était mon patron au Bénin. On a fait pas là, on ne se parle pas, mais c'est mon où patron. Je t'ai dit de rentrer, parce que tu faisais ton exil au Bénin. Ouais, j'étais là-bas. J'ai fait une année et quelques là-bas. Voilà, mon tu patron Uri Chadjovi. La Côte d'Ivoire au travail. Ouais, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Voilà. Ouais, les gars disent, on ne voit plus Abou Mdane, il y a quoi? Non, tu sais, j'avais perdu du terrain quand même au plan local. Ça, il faut le reconnaître. Le fait que j'étais beaucoup dans la sous-région, la Guinée équatoriale, le Mali, le Bénin, le Togo, ça fait que j'avais perdu quand même le terrain ici. Et quand j'ai décidé de m'installer, je me suis installé avec un petit label
qui est une idée de production. Donc il fallait mettre aussi les racines de mon label. Donc il fallait plus miser sur du local. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une plateforme. La Côte d'Ivoire, musicalement parlant, c'est un grand pays. Donc tout ce qui prend ici, ça a de l'impact sur la sous-région. Mon cas personnel me l'indique. Avec la chaussure qui passe, je l'ai dit tout à l'heure, dès que c'est sorti ici, ça a eu une impact sur la sous-région. C'est ce qui faisait que je tournais dans la sous-région. Maintenant, les fans béninois, je suis là, ne vous inquiétez pas, je viens vous voir bientôt. Sinon, ça n'a rien à voir avec le vieux. On est ensemble. Parce que les Béninois m'ont beaucoup soutenu et continuent de me soutenir. Mais tu as toujours des contacts avec eux? Bien sûr, Yahoo, bien sûr. Je suis souvent nommé l'ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire. Ouais. Je profite pour saluer monsieur Michael, monsieur Michael Keke, Mike le sorcier, que je salue. Je salue Chalaruna, je salue le vieux père Kapidoubé, que je salue. Ça, c'est les vieux pères qui nous ont mis bien quand on était au Bénin. Ouais, c'est super, c'est super. Alors, Abouninda, tu as tout à l'heure, tu as parlé de ton label là. Bon, tous tes artistes ont fui. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu es... Parce qu'ils n'ont pas patient. Hein? Bah, toi, tu préfères mousser. Tu mousses seul, tu ne fais pas mousser tes artistes. Toi, ils ont fui. Toi-même, tu veux partir tes artistes. Oui, mais tu ne me fais pas mousser si tu devenais animateur. Mais tu mousses ici. Tu mousses à chose comme André Lafafa. Tu n'as même plus le temps de rentrer en studio. Voilà. Vous savez, ce que j'essaie de faire comprendre. Pourquoi il n'y a plus d'artistes? Si, parce qu'il paraît que même celui même que tu as mis devant, Lewis Parker, il passe son temps à parler mal aux artistes. C'est lui qui veut faire le malin. Il, quand Abouninda se promet, il veut forcément être Abouninda au-dessus. La carrière des autres. mais je ne comprends pas. Ça, c'est bien pour Lewis. Tu vas attacher Lewis. C'est bien. Non, mais lui, parce qu'il va refuser de parler papa. Pour revenir il va à, plus. Pour revenir à cette question. D'abord, moi, j'ai mis ce label en place qui allait d'abord me permettre moi-même d'être productif. D'accord. Tu ne peux pas prétendre être au devant, excuse-moi, d'un mouvement et ne même pas avoir une structure qui peut produire. Vous comprenez? La plupart des artistes qui nous arrangent sont devenus aujourd'hui des artistes. Freddy Yassouba n'est pas à Abidjan. David Taïro, c'est très difficile de l'attraper. L'un des plus grands de la Côte d'Ivoire. Salut, le père. Maintenant, vous avez cette nouvelle génération que je Beno, salue. Philippe. Baby Philippe, d'ailleurs, que je salue beaucoup, qui a fait un travail remarquable avec son dernier son. De rassembler tout le monde. Voilà, Baby Philippe, sois salué depuis ta position. Serge Beno, à côté de la musique, qui crée aujourd'hui aussi des entreprises. C'est des gens qu'il faut saluer parce que c'est des gens qui ont une vision. Donc, j'ai dit, pour que moi je puisse, toi, t'étirer, il faut que moi-même, je sois à un niveau. Maintenant, nous nous sommes arrivés. Les gens ne nous ont pas donné la chance de s'exprimer sur les médias. C'était très compliqué. Donc, par souci de maintenir la flamme, il faut créer d'abord, il faut que toi-même tu sois productif et puis donner la chance à ces jeunes artistes-là de venir s'exprimer. Quand ils viennent te voir, papa, je n'ai personne, papa, aide-moi. D'abord, moi, dans ma vision, c'est même pas de gagner quoi que ce soit sur eux. C'est d'abord de les aider. La chance que moi, je n'ai pas eue, de leur donner cette chance-là, leur permet déjà de rentrer en studio, d'enregistrer et puis évoluer. Mais tous veulent passer à la télé. Dès qu'ils passent à la télé, une fois, deux fois, ils deviennent stars. Ils prennent les petites au quartier. Et comme moi, je ne suis pas dans cette vision, je dis ceux qui ne veulent pas aussi avoir un plan de carrière, je ne peux pas travailler avec eux. Sauf qu'il y a des artistes même que j'ai logés chez moi à la maison pendant 2 ans. Ça dépasse le cadre même professionnel. Ouais, c'est ça comme mes petits frères, mes enfants. Mais quand tu n'es pas patient, Dieu te libère, tu vois. Tu peux peut-être avoir la chance. Donc pourquoi bloquer un artiste? Tous ceux qui sont partis, c'est à la base, entre guillemets, c'est eux à la base qui nous doivent quelque chose. Nous, on ne leur doit rien. Mais je n'ai jamais bloqué le son de quelqu'un ou des vidéos de quelqu'un. En plus, quand j'ai les scènes, je les appelle, ils viennent s'exprimer. Voilà. Et aujourd'hui, avec la position que nous avons à Ivoire TV, je suis par excellence l'ami de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que je suis artiste, je connais le problème d'un artiste. Oui, je connais une vraie production toutes les difficultés que les artistes ont. Une vraie production aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Soit l'artiste fait son son, le producteur fait le clip. Soit l'artiste fait son son et son clip, et le producteur fait juste pour faire entrer sur les médias.
Mais moi, je n'appelle pas ça d'ailleurs de la production. Ça, c'est un accompagnateur. Une vraie production, l'artiste, il ne fait rien. Il ne fait qu'écrire et chanter. Sa maison, tout est payé. Donc, ce petit label-là nous permet d'être d'abord productif. Mais comme ils ne sont pas dans cette vision, celui qui veut partir, il le libère. Sinon, il y a Matador qui est là, qui tourne. La semaine dernière, j'ai présenté un pur produit, le Pougon HTT, qui a tiré son épingle du jeu dans l'émission, par exemple, Samedi Show. Donc, nous nous sommes ouverts. On a même lancé le premier festival où des jeunes gens viennent s'inscrire. Mm-hmm. Hein? C'est un festival que nous avons organisé à Bobo. Parce que dès que nous avons ouvert ce petit label là, Média Production, tout le monde nous a appelé. Mais on ne peut pas aider tout le monde ici. Mm-hmm. Donc tu comprends qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'artistes qui essaient au niveau de tendre la main. Mm-hmm. Il y a toujours le problème entre artistes et producteurs, mm-hmm. entre artistes et producteurs. Donc mm-hmm. nous, on n'a pas de problème. Mm-hmm. D'accord. Voilà qui est bien expliqué. Voilà, pour éviter que ça, que Fafa, c'est l'émission où il y a des éclaircies. C'est-à-dire qu'il faut éclaircir les petites zones d'ombre pour éviter que les gens parlent beaucoup. Alors, Abou Nidal, tu as commencé à te lancer dans le social. Voilà, tu as commencé à mener des actions, à faire des choses, à faire de très grandes choses dans le social et tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, comme je le disais tantôt, dans un souci de redorer le blason du coupé décalé, dans un souci de proposer quelque chose de noble, quelque chose qui sera gravé comme une empreinte indélébile, nous nous sommes inspirés de ce groupe Magic System qui sont partis de rien, que tout le monde connaît leur histoire ici en Côte d'Ivoire. Parce que la chanson même qu'ils ont révélée, qui a fait que le monde entier parle de lui, c'est Premier Gao. Ils étaient dans la galère. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ils ont une petite lumière. Cette lumière-là, ils essaient de la partager avec les enfants de Côte d'Ivoire. En Mambo, aujourd'hui, on parle d'un Mambo partout dans le monde. Ils offrent des écoles à la Côte d'Ivoire, à travers la musique, à travers le divertissement. J'étais au premier FEMIA, j'ai joué au premier FEMIA, le premier festival FEMIA, mm-hmm. j'ai joué. 10 ans après, quand tu viens le FEMIA, qui n'est pas encore passé comme grand artiste africain? Voilà des modèles à suivre. D'accord. Voilà Tiken Dia qui fait du reggae. D'aucuns diront que le reggae, ce n'était pas une musique catholique à l'époque. Et parce mm-hmm. que voilà ce qu'il est. Bon, maintenant, on sait qu'à travers le divertissement, on peut faire des choses. Tiken Dia, ils offrent des écoles mm-hmm. à la Côte d'Ivoire. Le coupé décalé, qui est le concert musical le plus adulé, le plus aimé, nous, on ne va pas faire que danser. Oui, on ne va pas rester en marge. On ne va pas rester en marge. De dire à nos petits frères, danser, on sort des concepts à la con, excuse-moi, mm-hmm. et les enfants adhèrent à ces concepts. Mais pourquoi ne pas transformer ce concept de manière positive? Donc, le message qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans ma musique, j'essaie de ressortir ça dans mes actes. Donc, le Waratou, mm-hmm. qui est un concept éducatif de leadership mm-hmm. qui vise à encourager l'excellence dans le milieu scolaire et d'éradiquer l'école missionnaire. D'accord. Parce que, je l'ai dit, avec les nouvelles technologies, avec ce qui se passe aujourd'hui, la jeunesse va à la dérive. Mm-hmm. Donc, il faut maintenant rééduquer cette jeunesse. L'éducation commence d'abord à la maison. Et d'ailleurs, voilà pourquoi nous avons initié ce concept. Avec. En tout cas, et ce concept a été accueilli par tous les artistes coupés des caleurs, mm-hmm. en tout cas, qui ont unanimement fait des vidéos. Tous ont fait des vidéos pour encourager. Moi, je fais ça, c'est au nom du coupé décalé, c'est au nom de tous les artistes coupés décalés. D'accord. Voilà, parce que le coupé décalé, 15 ans après, il faut proposer quelque chose aussi qui construit. Parce qu'on est conscient aussi que, vous avez parlé tout à l'heure de grottage, mm-hmm. mais il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent de moi, mais qui ne savent pas véritablement qui est Abou Nidal. Donc j'ai été ciré de chaussures, je le dis haut et fort, j'ai été mécanicien, coiffeur aux États-Unis, ex-footballeur, aujourd'hui artiste. Donc j'ai une histoire. Donc il faut dire à ces jeunes-là que quand tu vois Abou Nidal dans son costume, mais il n'est pas tombé du ciel. Il faut se battre aussi pour réussir. Il faut se battre pour réussir. Parce que la vie même, elle-même, n'est pas facile. Et il faut inculquer ces valeurs-là à la jeunesse. Et dans le contenu même du Waratou, nous arrêtons pas que à offrir des kits ou des ordinateurs. Nous sensibilisons contre les grossesses précoces.
dans le milieu scolaire. Nous sensibilisons les jeunes contre la consommation de drogue, contre le tabagisme, vous comprenez. Donc c'est pour vous dire qu'on est suivi, on a décidé désormais d'être la conscience du coupé de cajou. Oui, mais Abounida, tes détracteurs disent que ça, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas sans intérêt. Il paraît qu'Abounida initie ce genre de tour-là, voilà, pour pouvoir manger, hein, pour pouvoir manger avec les décideurs de ce pays, parce qu'ils aiment ça. Donc, il y a les guerres, comme on dit encore, les guerres, c'est l'argent. Il y a des sommes qui sortent, bon, Abounida fait les surfacturations. Bref. Déjà, la première fois où j'ai eu l'idée de commencer cette tournée, c'est lorsque un ami entre guillemets boucantier est venu il y a 3 ans à Abidjan. Et on était dans une discothèque de la place qui a voulu m'offrir 5 bouteilles de champagne, quand on les chiffrait en raison de 50 000, ça nous fait 250 000. Et je lui ai dit, moi je ne bois pas l'alcool. Je prends peut-être un cocktail, mais cet argent-là, offre-moi 5 kits scolaires. Et je partais dans les quartiers précaires pour mener mon action. Aujourd'hui, j'ai des entreprises non gouvernementales qui m'accompagnent. Et l'année dernière, tenez-vous bien, une ONG basée aux États-Unis qui nous a contactés, où nous avons acquis un terrain à Boaké, précisément à Boissy-Lévo, où nous avons en fait la première classe de la première école des enfants en Afrique de l'Ouest, et c'est en Côte d'Ivoire. Et la troisième édition de Waratou cette année, nous avons pour le lancement depuis le 21, le 23 février, nous avons procédé à la pose de la première pierre de l'école de la Fondation Abounida. Donc, si par ricochet, ce que nous faisons, les décideurs voient que ce que nous faisons est noble, mais quoi de plus normal de nous accompagner? Ceux qui le font sont accompagnés. Mais pourquoi nous, on ne doit pas être accompagnés? Voilà. Tandis que vous avez un enfant, il a quel âge? Hey, beaucoup d'enfants. Tu as beaucoup d'enfants. Bon, on va commencer déjà par toi. Voilà. Donc, ça, il a commencé. Ça va permettre déjà. Ça va permettre déjà à ton enfant d'aller à l'école l'année prochaine. Il dit, il y a beaucoup d'enfants maintenant, voilà. C'est non, ça. Mais, voilà, il faut commencer par quelque chose. Si on te donne tout, on va donner tout aux autres. Donc, je te donne ça devant la nation, comme tu parles beaucoup. Voilà. L'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est la formation. La formation, c'est la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. Mesdames et messieurs, Abounida m'a offert un sac à dos. J'ai beaucoup d'enfants, donc moi-même je vais utiliser. Voilà. Je vais mettre mes bagages dedans. Voilà, c'est non, c'est un kit scolaire complet. Ah, kit scolaire complet. Voilà. Ah, d'accord. Attends, on va. Voilà. Mesdames et messieurs, en fait, mesdames et messieurs, pourquoi j'ai posé la question à Abounida? Parce que voilà un artiste, premier artiste coupé décalé, qui décide de faire un tour dans tout le pays et d'offrir des kits scolaires, de sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser autant pour moi nos enfants qui sont dans les classes, dans les écoles, pour leur dire allez à l'école, ne faites pas l'école buissonnière, les petites filles ne cherchez pas garçons parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que quelqu'un va passer derrière, va t'enceinter, il est lui aussi les petits comme toi, il va fuir, il va pas venir encore. Toi, tes problèmes ont commencé comme ça. Donc Abounida se promène, quelles sont les villes déjà que tu as déjà faites dans tout le pays? Alors, nous étions à Korogo le 23 février. Voilà, nous sommes passés à Boaké, à Yamoussoukro, à Mans, à San Pedro, à Divo, à Gagnoa, à Tabou. En tout cas, nous avons. Non, ça va, merci. Nous avons parcouru toutes les régions de la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est super ça. Et comment est-ce que ça a été accueilli? Comment est-ce que le Waratou a été accueilli par les populations? Le Waratou a mobilisé plus de 100 000 personnes, élèves, parents et enseignants. 100 000 personnes, je pèse mon nom. D'accord. Et je vous fais une petite confidence. Nous étions à Daloa. Et l'année dernière, lorsque nous sommes arrivés à Daloa, il y a un élève de la 3e qui n'était pas parmi les meilleurs élèves. Et cette année, c'est lui qui a eu la plus grande note. Donc, il a bénéficié d'un ordinateur portable. Et il a fait ce témoignage comme quoi, l'année dernière, lorsque nous sommes venus, il a eu mal au cœur parce qu'il n'était pas récipiendaire. Il a vu ses camarades qui ont eu des... Ça l'a poussé à travailler en fait. Ça l'a boosté à travailler. Il a fait un témoignage, il a même fait une vidéo où il a posté pour nous féliciter. Et je vais profiter de ce canal pour dire merci à Ivoire TV.
Merci à Ivoire TV et à la direction, par le coucher le DG de Ivoire TV, M. Zoumana Bakayoko, qui a cru à ce projet et à tous les autres médias qui aujourd'hui nous accompagnent. Et à cette société aujourd'hui qui décide aussi de nous accompagner. Et tenez-vous bien, nous sommes en train de travailler pour sortir des produits pour la rentrée scolaire qui vont permettre aux parents d'avoir à moindre coût l'équipe scolaire et tout ce qui est fourni. Non, mais Abou Nidal, tu ne vas pas te faire combattre par ces personnes-là même qui sont déjà sur le terrain depuis. Les gens fabriquent leurs cahiers, ils vendent à 200, toi tu vas envoyer cahiers, tu vas vendre à 75. C'est vrai que tu fais ça pour les populations, mais tu gardes vraiment les autres. Mais il faut aider les jeunes, il faut aider. Parce que déjà, être déjà élève, il faut s'estimer déjà heureux. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui n'ont même pas la chance d'être assis sur eux. Il y a des gens de notre génération qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école. Toi, élève qui me suis, je te parle du fond de mon cœur. Tu as la chance d'être assis sur un banc. Tout n'est pas positif, tout n'est pas propre, mais c'est une chance. Il faut la saisir. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont venus devenir des microbes. C'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont rien à faire. Donc, toi, tu es à l'école, profite de ce moment-là. Travaille. Parce que c'est dans ça qu'il y a ton salut, c'est dans ça qu'il y a ton avenir. Avant d'écouter Abou Nidal, va d'abord à l'école. Quand tu finis de bien bosser à l'école, le week-end, tu te mets bien avec le moussement final. C'est important. On va parler du moussement final tout à l'heure. Je lance un appel en même temps à toutes ces firmes, toutes ces grandes firmes qui sont dans notre pays, qui ont les fortes sommes pour pouvoir aider tout le monde. Abou Nidal a un concept aujourd'hui qui apporte du bien, qui apporte de la gaieté et qui apporte du sourire aux parents aussi, pas qu'aux enfants. Donc si vous avez la possibilité de l'accompagner dans son projet, ce sera vraiment une très bonne chose et il vous sera très reconnaissant, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien regardé l'élément, vous avez vu un peu, c'est une sorte de reportage où voilà, on a vu un peu ce qu'Abou Nidal mène comme action dans le pays pour le bien de nos enfants. Voilà. Alors Abou Nidal, tout à l'heure tu as terminé avec le mouissement final, c'est le nouveau concept. C'est le nouveau concept, ouais. D'accord, mais le nouveau concept là, comment il se comporte actuellement sur le terrain? Parce que moi j'ai vu, hein, c'est pas petite chorégraphie, Abou Nidal est devenu plus que Michael Jackson. Alors le moussement final se comporte super bien. C'est une chanson extraite de mon nouvel album, de 16 titres qui va sortir bientôt. Alors dans ce concept de danse, c'est un film de danse d'ailleurs, nous avons voulu passer encore un message codé. Déjà les gens ont une image d'Abou Nidal, le bluffeur, le petit choco. Ils doivent comprendre que Abou Nidal, c'est un enfant de poignon, voilà, qui essaie aujourd'hui de donner une image forte au coupé décalé, comme ça a toujours été le souhait de Noxara et de tous mes amis de la DRCL d'ailleurs. Donc, je ne suis pas choco en tant que tel. Je me comporte comme un choco. Maintenant, pour revenir au clip, le moussement final, c'est une expression dans notre jargon. Dans le coupé décalé, à l'époque, on disait « fais la portada, fais la comporta ». On est venu avec le faro-faro, le boucan. Je suis venu avec le yaya. Maintenant, c'est le moussement. C'est pareil, c'est la même chose. D'accord. C'est le nom seulement qui change. Donc, c'est un film de danse. Et comme pour la tournée Waratou, je sais que j'aurai affaire à des jeunes. Il faut proposer à ces jeunes-là quelque chose qui fait danser, quelque chose qui fait bouger. Donc, sinon, j'ai sorti deux singles. Il y a Abidjan qui est plus pour les responsables. Oui, ça, c'est mon vrai public. Oui, oui. Maintenant, Abidjan. Très belle dans chanson. Dans le cadre de la tournée, j'ai affaire à des jeunes. Il fallait sortir quelque chose de plus groove, plus dansant. D'accord. Dans le moussement final, aujourd'hui, Dieu merci, qui tourne bien. Et on est très content du résultat. D'accord, Dieu merci. Alors, Abou Nidal, tu as parlé tout à l'heure de tes amis de la Jet Set et tout. Est-ce que actuellement, est-ce que tu as gardé de très bons contacts avec tous ces gars-là? Moi, je ne suis pas un gars à problème. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je m'entends avec tout le monde. D'ailleurs, Mola, il est à Abidjan ici. Quand il fait quelque chose, je suis la première personne à le soutenir. Nos petits frères aussi, quand ils font des choses, je les soutiens. Moi, je n'ai aucun problème. Mais mes meilleurs amis sont les artistes Zoulou quand même. Mes meilleurs amis sont les artistes Zoulou. Sinon, dans le coupé décalé, ils sont tous mes amis et mes frères. Mais comme on est dans le même mouvement, souvent,
il y a des problèmes d'incompréhension où les gens, chacun veut tellement être leader, être fort que l'autre, oh, pourtant ça en fait encore des forts. Sinon, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que tu dis du fait que aujourd'hui, bon, ça c'est une petite parenthèse, hein. J'ai même posé la même question à Moula, tu vois. Qu'est-ce que tu dis du fait qu'aujourd'hui, parmi eux, voilà, il y a certains qui ne se parlent pas. On apprend que Moula et Serge Defalé ne se parlent pas. On apprend que Jean-Jacques Kwame, puis bon, un tel ou un tel se parle. Bon, c'est compliqué. Pourtant, ce groupe-là, ce groupe de personnes, c'est eux qui devaient donner l'exemple. Mais les autres, même, ils font pas là, ils se réconcilient. Mais eux-mêmes, qui sont les papas même du mouvement, ils ne se parlent même pas. Même. Amoulinda, qu'est-ce que tu dis de ça? On a créé un mouvement. Les gens nous ont vus ensemble. Quand tu regardes le premier tempo, par exemple, de Moula, il y avait Moula, Lino, Boro et Duxaga. Cette image-là a fait le tour du monde. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est un groupe de personnes qu'on a vues ensemble. Je pense que si aussi, nous les anciens, on se met ensemble, les jeunes là aussi vont se dire, ah, les grands frères sont ensemble, nous on doit se calmer. Et effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas d'entente. Mais selon toi, c'est quoi, c'est quoi? Selon le problème? Moi, comme j'ai dit, c'est quoi le problème? À la base, il n'y a pas de problème fondamental. Il n'y a pas de problème fondamental. C'est juste une question de leadership. Chacun dit qu'il est fort. Mais moi, j'ai dit, si on met cette force-là, chacun met sa force-là ensemble, ça on pourra encore tirer le mouvement plus bien haut. Bien sûr, bien sûr. Voilà bien pourquoi, d'ailleurs, je l'ai dit la dernière fois quand je suis allé au concert de DJ Arafat, à Yopougon. J'ai lancé en tout cas un message pour dire que pour moi, Arafat, c'est une icône. Peut-être c'est un peu trop fort, mais c'est une icône. Je m'explique. Et quand vous voyez aujourd'hui, Maître Gims, qui est l'un des plus grosses ventes en France, vient sur l'album d'Arafat, ça veut dire qu'Arafat est fort. Quand vous voyez Fally Ipupa, qui fait danser l'Afrique, Dadju, Davido, tous ont chanté avec Arafat ou ont participé sur l'album d'Arafat. Ça voudrait dire même que Arafat doit même pas se mettre au même niveau que ses petits frères qui arrivent. Vous comprenez? Arafat doit savoir maintenant qu'il est au-dessus. Vous êtes comprenant? Et que lui aussi, il doit tirer ses petits frères. Donc, s'il y a des problèmes, ça ne doit pas se faire sur la place publique. Mais comme je dis, on est tous humains. De la manière moi j'appréhende certaines choses, c'est pas comme ça que tu vas appréhender certaines choses. Donc, voilà pourquoi, pour revenir à mes amis, il faudrait que on se mette ensemble pour encore remettre les bases. Mais cette fois-ci, en tant que producteur. Chef d'entreprise, on a d'autres casquettes aujourd'hui. Oui. On a d'autres responsabilités aujourd'hui. Donc, si ça continue comme ça, après, on sera là un jour, et puis nos petits frères vont s'allumer par des revolvers, et puis après, c'est nous qui allons prendre les pots cassés. Oui. Donc, les petits frères, des grâces, vous êtes trop forts. Moi, je reconnais que vous êtes forts. Moi, je reconnais que couper les carrières, c'est vous qui tenez ça aujourd'hui. Mais c'est dans l'union qu'on peut aller plus loin. Quand vous voyez les Nigériens aujourd'hui, ils font des collaborations. Mais quand un est en avant, il ne veut pas collaborer avec bien les sûr, autres. Bien sûr, bien sûr. Ça, j'en parle tous les partager. Jours. Il ne veut pas partager. Il faut partager. C'est ça qui va pérenniser le mouvement. Donc, c'est le message que je peux lancer aux créateurs, aux initiateurs et aux dévanciers. Voilà qui est bien dit. Voilà qui est extrêmement bien dit. Alors, Abounida, tes projets à... À court terme, c'est le moussement final et d'autres projets que tu as. Mais sur le long terme, quels sont tes projets? Le projet à court terme, c'est la sortie de l'album. D'accord. Dans quelques semaines, on pourrait parler dans un mois si tout va bien. Alors, à côté de ça, nous sommes en train de préparer la rentrée déjà. Nous avons fini la tournée. Voilà, nous sommes en train de faire le bilan qui est d'ailleurs positif. Il y a, un magazine qui va sortir, qui va retracer en tout cas tout ce qui s'est passé dans toute cette ville-là. Et à la rentrée scolaire, nous avons décidé encore de prendre le bâton de commandement pour sillonner encore les écoles, pour aider les parents à inscrire les enfants
à l'école et nous sommes en train de signer des conventions, des partenariats avec pas mal d'entreprises. Nous sommes très 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 contents. Alors ce que j'aimerais dire ici aujourd'hui, merci à Ivoix TV et à tous ceux qui nous ont soutenus et qui continuent aujourd'hui de nous envoyer des messages de remerciement. Et merci à tous les artistes qui soutiennent ce mouvement. Et le Waratu, il aura un grand festival, le festival Waratu des écoles. Ce sera le premier festival où il y aura la musique, mais on va toujours récompenser les meilleurs. Nos souhaits aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des bourses d'études à l'international, à Londres, à Paris, aux États-Unis, au Maroc, pour faire bénéficier, en tout cas, les meilleurs élèves que nous avons identifiés lors de cette tournée Waratu, qui est divertie, éduquée, encouragée. Voilà qui est bien dit. Abou Nidal, sa bouche est sucrée. Quand il parle, tu es obligé de l'écouter. Sa bouche est sucrée. Alors Abou Nidal, bon, je pense que je voulais te demander ton mot de fin, mais apparemment, tu as déjà bouclé. Tu as déjà bouclé. Mon mot de fin, c'est que tu as respecté le code vestimentaire, parce que tu savais bien que tu avais affaire à un vestimentologue, donc tu t'es mis dans ton 31. Non, ça c'est pas mon 31, c'est mon 18. Seulement que tu as voulu me braqueter, mais tu es jeune, voilà. Mais c'est bien, continue comme ça. Oh, merci à Abou Nidal, merci à Abou Nidal. Vous savez, Abou Nidal, c'est la famille, mais quand il y a Fafa, il n'y a plus de famille. On attache, c'est comme ça. Alors, merci beaucoup de nous suivre sur Ivoix TV Musique, canal 209 du Bouquet, canal South Africa. C'était l'émission Fafa avec le Dainré. Vous avez Soko Soko et William Santiago derrière les caméras. Vous avez M. Madoché qui est à la post-production. Roland Leberguis réalise cette émission. Je dis un coucou, un gros coucou à maman Mouna Bakayoko que je salue, qui est vraiment, elle est trop bien. Et monsieur Bakayoko aussi que je salue au passage, monsieur Zoumana Bakayoko. Salut à toute la famille, tous ceux qui nous soutiennent. Salut à mon fils qu'on appelle Shawel le Béni. Salut à toi. Voilà, retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même antenne sur Ivoix TV Musique. Que Dieu vous bénisse. Merci d'aller sur la page officielle de l'émission Fafa officielle. Laissez vos messages, laissez vos suggestions. On est ensemble. C'est le denrée. Yeah.